Bonjour à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch. Donc merci à vous d'être là. Pour les nouveaux, pensez à vous abonner, pensez à liker les vidéos et pensez à cocher la cloche. Merci à vous, si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu, Neo Genesis Auto Battle TCG. Un jeu qui vient de sortir sur téléphone, qui est sorti fin mars 2023. Donc sur cette petite vidéo, je vais vous montrer un peu du jeu, un peu de gameplay, voir ce qu'on peut faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc c'est un nouveau jeu, donc je vais tester en direct avec vous. Donc comme vous le voyez, c'est un jeu de cartes, et donc nous allons le tester ensemble. Voir si j'ai le coup de main ou pas. Alors, ok, ça marche. Sélectionner. Ça, c'est pour mettre dans ton deck, je présume. Ok. Échanger. Save. Ok. Go home. Duel. Alors, fight. On va voir comment ça se passe. Alors, c'est écrit en anglais, je ne suis pas fort du tout en anglais. On va essayer de s'en sortir. Là, je choisis pile ou face. Et c'est lui qui a gagné, donc c'est lui qui commence. Donc, c'est un jeu de cartes. Que tu poses des cartes. Donc c'est un deck de cartes en fait où tu as déjà tes 5 cartes sur toi et que tu attaques un autre joueur. Donc il faut penser à l'avance qu'à mettre une bonne compo de cartes quoi. C'est pas il faut pas avoir dans ton deck. Je choisis face en pile. C'est moi qui commence. Ah bon? C'est lui qui a commencé? Là, je vais perdre. J'ai l'impression que là, ça donne vers le bas. J'ai l'impression qu'ils sont moins forts. Ils sont plus forts, non? Ou c'est classe? Il est en train de me buter. Je me fais massacrer. C'est un tutoriel, de toute façon. Donc, c'est pour apprendre. En tout cas, lui, il est pas mal, il fait plein de petits bonhommes. Ah, j'ai perdu quand même. Dommage. Alors, je faisais pas le point. Oui, back. Ça, c'est fait exprès. Ouais, ton petit deck. Ok. Open, ouais, deck. Donc ça c'est pour booster, ok, j'ai boosté, il passe à combien? 0 et 0. Ouais, il n'est pas tellement amélioré, hein, carte. Hein. Je peux pas en invoquer plutôt? Pas vu s'améliorer le mec. Ouais, en face c'est pas les mêmes. Hein. Je suis désolé mais de le dire, mais en face c'est pas les mêmes. Hein. Tout à l'heure. Hein. Il y avait 5 cartes en face. Hein. Comme par là, il a eu le massacre. Allez, back. Next. Ok. Je joue un petit peu, pas tout seul, ouais. Ouais, point duel, ok. Explorer, tower.
Challenge. Ok, donc t'as une tower pour avancer un petit peu de niveau, t'as du PVP, du PVE, t'as deux styles. Au moins tu peux choisir ce que tu veux faire. Bon, tu seras obligé de faire du PVP hein, pour avancer dans le rang et avoir de nouvelles récompenses, je pense. Mais c'est pas mal. Hein. Pour un jeu de cartes, t'as du PVE. C'est pas mal. Ça change un peu. Voilà, alors est-ce que je peux invoquer des cartes? J'aimerais bien invoquer. Shop, ah. Ah, voilà. Il me fait acheter un gros pack. J'espère que je vais avoir quelque chose dedans, moi. Yes. Quelques nouvelles cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Ça va, c'est une mission quotidienne, hein, je présume. Voilà, alors. Je voudrais voir un peu les cartes que j'ai. J'ai le labo, là j'ai open, pourquoi? Ça, c'est pour améliorer. Ok. Là, j'ai machine. Mutation. Alors là, j'ai toutes mes cartes là que j'ai actuellement. J'ai 10 cartes. Là, on voit les factions. Mais j'ai deux fois la même, je crois. Ici, là, j'ai Phoenix, j'ai deux fois. Alors, on va faire un peu de PVP, on va tester. Alors, mon deck, comment on fait pour le remettre? On met ça. Non, on fait ici. Non. Non, c'est pas ça. Ici, non. Comment mettre son deck? Ici, c'est celui-ci. Voilà. Je clique là-dessus pour choisir mon deck. Alors, on me propose quoi? De lui. Donc lui, il est pas mal, il permet de raise des bonhommes, c'est pas mal du tout. Je vais enlever lui. Je vais mettre lui pour tester. Voilà. Vu que c'est un phénix, j'ai peut-être des chances qu'il revive. Voilà, on va tester ça. On save. Et on va faire un petit duel. Allez, vas-y. Donc ça, c'est moi qui commente, logiquement. C'est moi qui attaque en premier, non? Yes. J'ai perdu. Et à chaque fois qu'il meurt, t'as vu, c'est pas en plus pour lui. C'est pas mal ça. Ça me fait monter, ça c'est pas mal ça. Ça donne des personnages en plus. Et lui, il monte celui-là. C'est pas mal du tout. Moins 3. Il revit. Pas mal du tout ce petit deck. Et j'ai gagné tout ça. Alors j'ai de l'expérience, des duels points et des ressources. On va aller voir l'autre, le mode PVE. On va voir la tower. Donc t'as pas mal de choses apparemment. T'as des world boss. Là c'est le classement. Les duels, le brawl, événements qui sont verrouillés et la campagne. D'accord. Et là, qu'est-ce que j'ai gratuit? Quelque chose qui est gratuit là. On prend un point bleu. Tu as une effrie. Quand c'est free, on prend toujours. Donc après, comme tu peux le voir, tu as des coffres à acheter. Donc là, des magiques. Ça te coûte des diamants là. Ouais. Soit des sous, soit des diamants, soit des pièces. Ok. T'as intérêt à économiser. Hein. Voilà. Wood, ouais, low, 5 cartes, 5 cartes. Silver, ouais, c'est par, ça par faction. Tu vois, Master, Silver, Wooden, Bronze. Ouais, faut que tu choisisses bien lesquels tu veux.
Donc lui, c'est le Neo, le dernier. Combien ça coûte? 9 000 pièces, comme ça, ou 112 000 pièces comme ça. Donc ça, je suis qu'à 5, hein. Putain. Il va falloir que tu fasses du combat. Hein. Je veux regarder paramètres. Est-ce qu'il y a des paramètres quelque part? Je veux regarder la langue. Quels sont les paramètres? Ah, sitting. Est-ce que je peux changer qualité English? Non, vietnamien ou anglais, pas le choix. Voilà. Bah écoutez, vous voyez un peu de la vidéo. J'espère que ça vous plaira comme jeu. Si vous avez envie d'essayer, faites-vous plaisir. Bon, comme petit jeu de cartes, je suis assez loin. 2300, il n'y a pas énormément de différence. Hein. Enfin, ils sont pas tellement hauts, hein, niveau. Je suis que 479. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent dessus. La possibilité d'arriver vite en haut. En tout cas, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu pour voir ce petit jeu, quoi ça donne. Pensez bien à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous. Si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître ma chaîne. Donc on se retrouve à très vite pour plus de vidéos. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo précise sur un jeu ou sur ce jeu, ben laissez-moi un petit commentaire, j'essaierai de la faire si je peux. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!